Et bonjour à tous les amis, c'est Kefko du Zakwad 4 aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau live et au programme, nous allons continuer Toem directement sur le Gabas qui est sur le programme de juillet. Voilà, les amis, est-ce que vous m'entendez? On m'entend très bien. Donc voilà, et sur YouTube, j'ai mis la rediffusion du live du 2 octobre. C'est du Common Hunt, qui est un jeu de survie dans une usine directement. Donc voilà, donc j'ai un peu j'ai pas compris le... j'ai compris le jeu mais c'était un peu compliqué. Donc à vous de voir sur le YouTube, mon YouTube Kefko 54 diffusion. On est au 20e abonné, donc merci beaucoup aux 20e abonné qui s'est abonné à la chaîne, merci énormément. Et sur Twitch on est à 63 followers, 63 followers. Donc je compte sur vous directement pour affiliation, mais évidemment il manque 3 spectateurs en moyenne pour live sur pour directement avoir l'affiliation. Voilà, je compte sur vous directement les amis. On continue Toem et lui directement donc sur le Game Pass. Donc j'ouvre le jeu directement et avant ça je vais vous informer des infos du jeu. Infos à ne pas rater bien évidemment. Donc c'est un jeu qui est développé par Something WeMade, plateforme Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox One, Linux. Ça a été par les Awards, la BAFTA, donc les Game Awards for Debut Game, Initial Real Estate, 17 septembre 2021, publié par Something WeMade, et nomination BAFTA Game Award for Debut Game. Voilà, donc ça c'est pour les Awards, donc je sais pas trop c'est quoi ceci. Donc le jeu coûte 17,89€ si vous n'avez pas l'abonnement, et si vous avez l'abonnement, vous ne payez pas ce prix-là, vous jouez directement avec l'abonnement inclus. Tac 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 tac, nickel. Donc on va passer directement en jeu. J'ouvre la Xbox tranquillement. Et on va jouer à Storm Session 2. Et oui. Donc voilà. Directement. Donc ça se lance. Allez Xbox, lance-toi. Lance-toi, Xbox, lance-toi. Donc le jeu, il a une durée de vie de, je regarde ça tout de suite, je vais regarder. Alors, Toem Full Game. Donc Toem, il a une durée de vie de 2h27. Voilà, tranquillement. Donc voilà ce que vous voulez savoir. C'est parti. Mais pourquoi ça me met crotte? Ça m'a mis IE, ça m'a fait IE. Donc je comprends pas. Ok, donc le jeu, non, normal que vous le voyez pas, il se lance. Il est lancé. Il est lancé. Je vais juste mettre le jeu. Tac, capture de jeu. Normalement, c'est bon. Vous avez le jeu. Directement. Est-ce que vous avez le jeu? Vous avez le jeu, nickel. C'est cool. Ça, je vais juste enlever, mettre ça en plein écran. Je perds 12 ans parce que. Respect. Hop. Donc ça se joue à la manette. Ah, ça bug. Non? Continue l'aventure. Alors, on s'est arrêté directement à la troisième minute du jeu. Nickel. Voilà, on peut directement. Alors, au niveau des quêtes, qu'est-ce qu'on a? On a 8 sur 8, donc on peut directement passer à l'autre quête.
à l'autre ville. Plus un point, hop. Salut toi, bienvenue à Stavharma, la meilleure destination pour elle et ceux qui adorent l'été. Il y a tout un tas de trucs à génoux ici. Pas d'en explorer et revenir me voir quand tu auras assez de tampons. Avec 8 tampons, ton prochain trajet en cas est ouvert. Salut, on va voir combien de tampons tu as. On va voir ça. Tu as assez de tampons pour prendre le car. Je vais juste te mettre ta carte à jouer. J'ai tamponné ta carte, tu as mon approbation. Tu peux prendre le car jusqu'à la région suivante, c'est gratuit. Alors là, on est à Look City. C'est la grande ville, les maisons sont drôlement hautes. C'est la capitale, je crois. Oh, voyage, la capitale. Look City. Oh, salut. Je suis un peu plus. J'ai trop dormi et je suis en retard dans le boulot. Le train n'est pas non plus à l'heure, donc c'est génial. Je n'arrive pas à croire que je suis en train de stresser pour un boulot où j'aime même pas. Je gagne ma vie en courant dans tous les sens. Beaucoup de gens font ça à Look City. Mais moi, je veux juste nettoyer des choses et les rendre toutes belles. Passer à l'aspiro, faire la vaisselle, astiquer des lentilles d'appareil, photo, c'est ça ma passion. Si tu as un truc à nettoyer, ça me fera super plaisir de m'en occuper. Voyons voir. Je n'ai rien trouvé à nettoyer dans ton sac à dos. Donc c'est pas tout ça, j'ai un train en retard à l'arrêter. Youpi. Ajouter aux favoris et hop, c'est en ligne. Et salut. Il fallait que je réponde à mes followers. Ils veulent savoir quand je vais faire mon prochain poste de nourriture. Le problème, c'est que mon appareil photo marche de moins en moins bien. Judiquette. Alors, vous passez une semaine stressante, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Bienvenue chez les frangins flageolets. On vient d'ouvrir. On a des hot flags et des flageolatines, ce sont des recettes de famille. La seule chose qui nous manque, ce sont les clients. Donc tu pourrais nous donner un coup de main? Trop bien, merci. Il nous faut, disons, 3 clients en plus. Tiens, prends ce chapeau hot flage. Chapeau hot flage. Avec son odeur, tu vas attirer les clients potentiels. Ok. La ville est vraiment intense. Je viens d'Oakland, c'est New York. Les arbres, les cailloux, le champ, le camp, les insectes, tout me manque. Je n'arrive pas à croire que je sois pas une, que je paye pas une armée. Attends, la voiture est cette entre les lignes. Non, si. J'ai faim mais j'en ai marre de la bouffe qu'on trouve à Look City. Donc qu'est-ce que c'est que cette odeur? Je n'ai jamais senti ça. J'y vais seul. Dégage de mon chemin. Et dehors.
où tu étais. Je te cherche depuis où tu es ce matin. Attends, tu ne travailles pas ici. Les gars, j'ai pu être curieux. Bonjour, ça va bien? Tu m'as peut-être déjà vu à la télé ou entendu à la radio. Ou pas. Là, je suis en pause. Ouais. Attends, tu as un appareil photo? Reviens par ici. Le poste, c'est toi. Prends ça. C'est obligatoire pour tous les journalistes. Le chapeau de journaliste. Ça te donne te donnera accès à divers endroits. C'est pas tout ça, j'ai besoin de photos de tous les trucs. Défiler une mode et moustache grandiose. Maintenant, c'est toi de là. Désolé, les gars, il y a des choses à faire. Bouchon. Trop cool. J'ai faim, mais j'en ai assez marre de la bouffe qu'on trouve à Lock City. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Je n'imagine ce que c'est. Un nouveau resto mobile à Lock City. Dégage, mange pas. Ça fait deux. Et toi, ça c'est notre ruelle. Nous on est les crânes des rats. On ne te croit, il n'y a que des vrais racailles. Je crois que c'est à la hauteur. Oh, c'est parti. Vas-y, cherche et trouve notre ardeur. Tu veux être un crâne rat. Il y en a partout dans la ville. Il en faut 5 pour entrer dans le trou. Avant que tu partes, on a quelque chose pour toi. Et splash. Une photo sale. Pas de chance. On a un appareil photo sale. On va l'emmener directement à l'autre. Ça va être tout seul là. Yult. Ça biche. Je donne à bouffer au rat. Par contre, j'ai pas de maître de pien. Le pouce bleu, la cloche et observe en ligne. Tu as quelque chose pour moi? Où l'autre que je dois voir pour l'appareil photo sale? Où est-il? Tu m'as apporté quelque chose à nettoyer? On va voir. Ouais, un appareil photo couvert de boue. Tu vas voir, je vais le faire briller. Et voilà, c'est comme neuf. Merci. J'ai comme qui dirait un nom. Je crois que je vais te trouver ma vocation. Le nettoyage. Merci de m'avoir donné ton appareil photo à nettoyer. Et toi. Un dernier. Aujourd'hui au favori et hop c'est en ligne. Il y a quelques secondes. Et
Et tu m'empêches de me concentrer. Aiguisé, ce corbeau nous a piqué notre frisbee. Comment on va faire pour se préparer pour la compète? Le sérieux truc. Le fantôme qui est là. Oh, il y a un truc. Salut. Tu as joué minois, tu sais. Que si je te fais peur, tu voudrais bien sortir avec moi? Ouais, c'est parti. Boum. Je t'ai fait peur? Oh. Bienvenue dans mon exposition. Ici, tu peux admirer des œuvres exceptionnelles créées par des meilleurs artistes. Utilise les haut-parleurs à côté des œuvres pour en savoir plus à leur sujet. Œuvre numéro 2. Le grand classique. La toujours introspection réformée d'un cercle. Œuvre numéro 1. Bienvenue à la maison. Nous pensons que cette œuvre représente la chaleur d'une famille. Alors là, pas la moindre idée de ce que c'est. Ok. Ok, il faut trouver la dernière personne. Oh, il y a un égo, il y a un truc là. Y a quelqu'un? J'étais en train de courir dans tous les sens et patata, je suis tombé. À l'aide. Il y a un truc qui m'a tué la jambe. Ok, donc il faut une sorte de corde comme ça. J'imagine que tu sais où, qui je suis. Tu m'as probablement déjà entendu à la radio. Je vais être sur trop classe. Tu dis quelque chose? Je suis la mamie de TikTok Papik, évidemment. J'ai des tas de vues sur les internet. Je sais faire des cascades stylées avec une voiture. Enfin, si c'était avant, là, j'ai pris ma retraite. Maintenant, je balade juste en ville tranquille et swag. Sauf que ma voiture s'est renversée. Et je suis coincé ici. Web, web. J'ai faim. Ah, c'est bon. Nickel. Oh, rien. Des émissions faites. C'était un cadeau. Regarde-moi tous ces clients. Tu nous as fait une sacrée pub. Et de deux. Alors, quelqu'un est tombé au milieu des ouf. Tu veux garder le chapeau de toi? Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a comme mission? Les pains que veulent nourrir les oiseaux, mais il n'y a pas de pain. Ah, faut du pain. Alors il faut confusion de critique. 5 êtres vivants, voiture de mamie, un moment de ouf.
Comment on se retrouve à Bezaï? Est-ce que tu as eu une photo d'un personnage qu'on peut croiser avec ici? Et un cadeau. Basket. La voiture la plus charmée de la ville et de retour. 3. Attention les yeux, la mamie qui tombe à pic est dans la place. Comment oses-tu m'adresser à moi sans partir de ton chapeau de journaliste? Tu es la honte de ce bureau. Pas croire que je ne me suis pas une. Non, non. Attends, la voiture est censée être en ligne. Qu'est-ce qu'on a comme mission? J'en ai 3, 4, là. Attends, j'en ai combien? J'en ai 3, je crois que j'en ai 4. Allez, fais avoir l'air de rue. Ah, celui-là. Est-ce que tu regardes? T'as autre chose? Y'a un os. T'as autre chose? Vas-y, du coup, vas-y, j'ai du coup. T'as autre chose? C'est pas de l'art de ça. Qu'est-ce
Yo, c'est un gros chien. Attends, yo, t'as du talent pour recréer l'art de le long dans le cou. Écoute un peu ce son. C'est un peu notre tube, t'as vu? Ça, c'est mon personnage Codot. Le pain veut nourrir les oiseaux, mais il n'y a pas de pain. Ah, il n'y a pas de pain. Faut du pain. Ils sont bien, ils sont bien. Une seconde. Je suis en présence d'un individu de petite taille. Ouais, non, ça ne devrait pas être possible. C'est réservé à la presse. Une seconde. Non, ça va, l'individu est plutôt propre sur lui. Bon, c'est moi, tu peux passer. Ok. La collection est éblouissante. Mais il manque un petit quelque chose. Quelque chose qui fera que le public a une idée plus fabuleux, fantastique ou magnifique. Mais fantastique. Peut-être un genre de couvre-chef. Georges Chapeau est absolument. Si la conférence et la conférence avant un enfant, ils l'appelleront Ton Chapeau. Serait le clou de la collection. Nickel. C'est exactement ce qu'il me faut. Merci, mon chou. Attends, dehors, le défi ne va pas tarder à commencer. Et c'est joli et ce jour fabuleux. Je vous invite tous à découvrir le plus grandiose de mes créations. La collection n'est pas seulement spectaculaire et ultra dense. Elle est parfaite. Place au défilé. La mission hein. Le journal de l'Occitanie a besoin de deux photos, une moustache et un défilé de mode. Ok, une moustache. Donc, une moustache.
Le fantôme veut dans la ville, se sent perdu dans la ville. Il veut une photo de chez lui. Le fantôme cherche un endroit romantique. Offrez-vous une idée. Un endroit romantique, voilà. J'ai trop trop hâte. J'ai de voir ou pas entre eux. Je sais pas trop où il faut aller. Je sais pas trop où il faut le mettre, lui. Toi qui a de jolis paysages. Ah, il faut le faire avec des paysages, d'accord. Merde alors. Je sais pas trop où il faut aller. Paysage. Peut-être en bas là. Il est chiant lui. J'ai tout fait la ville. Le temps est à gauche. Je vais laisser à 100% de joueurs. Ok. Tu vas apporter les photos. M. Pour les moustaches, j'ai réussi à aller au film mode. Ça pourrait marcher. Reste un petit. Vous voulez autre chose? Apporte-moi des photos. Une moustache.
pas ici, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là, là. Il faut du skate, tranquille. Il faut des grinds. C'est sympa, peut-être un peu trop bruyant. On peut peut-être retrouver un meilleur endroit. Ok. Alors, peut-être que tu vas aller. Oh, c'est trop bruyant. Ici peut-être. C'est un peu ordinaire à mon goût. On peut peut-être trouver un meilleur endroit. Ah, ok. Donc, ici c'est pas bon. Elle est exigeante, ta petite petit fantôme là. Là, ici. J'adore l'odeur du pain frais, mais pas d'autre d'aussi près. On peut peut-être trouver un meilleur endroit. Ok. Madame exigeante en plus. Madame exigeante. Ici, et il y a un paysage, c'est bien. Et mais attends, c'est on y est. On aura parfait pour un rendez-vous. Alors tu veux faire ça pour moi? J'ai une surprise, c'est rien de pour toi. Boum. Merci. Nickel. Ça c'est bon, le fantôme il est parti. Et bienvenue à genre au café. Tu as l'impression à venir depuis genre des semaines. On a genre des souris. Non, elles ne me gênent pas. Et peut-être qu'elles démangent les autres. Essaye de leur crier dessus. Ok. Dégage. Il y a encore une autre ? Où est-ce qu'elle est ? Encore une autre ? Ah, il y a une autre là ? Il y a encore une autre. Ah non, non, j'ai vu. Je t'ai vu, mec. Voilà. Nickel. Et les souris sont genre pas parties. Alors merci pour ton aide. Nickel. 6. Et putain, prends ça. Une brioche à la cannelle. J'ai genre une grosse tête derrière la toile. Tu peux avoir tous les brioches à la cannelle que tu veux. Genre ça, tu vois. Alors, on a quoi d'autre comme quête?
Ça presse, ça, ok. Tout à l'égout, quelqu'un est tombé dans une bouche d'égout. Vous passez une semaine stressante, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Une jeune influence gastronomique parcourt la ville à la recherche des meilleurs. Mais... Ah, ok. Donc c'est bon. D'où l'avantage à la cannelle. C'est parti. Ajoutons au favori. Hop, c'est en ligne. Tu as quelque chose pour moi? J'avoue que c'est une belle photo, mais ouais, il faut que je sois dessus avec la nourriture. Ces followers ont besoin de me voir. Ok. Trop fort, c'est parfait, c'est parfait. Nouveauté, trop frais, hot flash délicieuse. Et hop, c'est en ligne. Purée, je coule déjà sous les loulettes. Cimer pour le coup de main. Ouais. La police bleue, la cloche. Oh, c'est en ligne. Cimer pour le coup de main. Flore. Okay. 6 sur 9. Une jeune influence qui sont de geek pour une vie à chef. Un corbeau a chippé un frisbee. Si vous le retrouvez et que vous le rapportez, vous saurez peut-être mieux. Un frisbee. Okay. Vous trouvez un corbeau avec un frisbee. Okay. Oh, il y a un chat qui est tombé. J'ai fait une quête. Je sais pas si c'est ça ou pas. Ah, il y a un corbeau. Oh, le corbeau. Le voilà, le petit corbeau.
Il y a un frisbee, mais je sais pas comment le prendre. Tu l'as trouvé. Maintenant, on peut s'entraîner à fond pour la compète. Nickel. Ensuite. Allô. C'est quoi ça? Ah ça, je sais pas trop c'est quoi. Oh mon dieu. Youpi. Et toi? Tu parais que c'est toi qui a réparé ça, merci. J'ai 9 machin. Ah, de l'air frais. Et ben voilà, on passe directement à la zone suivante. Salut toi, bienvenue à l'Oxity. Alors, Kiruberg, pour des vacances de rêve. Donc, oui, faut six, ah ouais, d'accord, six temps. On barque dans une aventure, ok. Devenir Yeti. Père Noël. Tu risquerais de finir en glace. Sans... Regarde, tu trembles. Moi, je suis déjà bien au chaud, alors tu peux prendre ça. Une écharpe. Ça devrait t'empêcher de trembler. Ok, j'ai une écharpe. T'es bien chaud.
Et dis donc toi, ça n'a pas la tête de te balader sans lunettes de ski? Il faut te protéger les yeux. Bonne chance. Alors, mur de lumière. What? Mur de lumière. Comment ça, mur de lumière? Mon petit garçon adoré, il a été emporté par le vent, littéralement j'entends. Il y a eu une brusque et hop, il s'est envolé. C'est encore un tout petit ballon. On voulait juste fêter son anniversaire à l'intérieur cette année. Tu le vois, amène-le-moi s'il te plaît. N'inquiète pas. Je t'inquiète énormément pour mon petit garçon. D'accord. Oui, oui. Venez nombreux écouter la célèbre chorale des chèvres de Kiruberg. Asseyez-vous sur le banc et découvrez la musique merveilleuse des chèvres de la montagne. Oh bonjour. Hein, je n'entends pas très bien. Oh, je suis juste un vieil alpiniste. J'ai vécu plus ou moins toute ma vie. Mes parents et moi, on habitait à Lock City et puis on a emménagé ici. J'étais un môme à l'époque. Voilà une photo de notre premier jour. Je me souviens que j'étais fait rouler une boule de neige sur une grosse montagne. Elle est devenue de plus en plus grosse. Non, je ne l'ai plus jamais revue. Ah, les souvenirs. Mais oui, j'ai grimpé les montagnes de Kiruberg. À part le pic, il est bien trop haut, Ed. Mais tout ça, c'est du passé maintenant. J'aime de me sentir ici. Toi, par contre, tu as l'air d'avoir soif d'aventure. Tiens, c'est pour toi. Les bottes de randonnée. Les bottes te donnent l'expérience nécessaire pour monter à la corde. Moi, si tu es capable d'arriver au sommet. Bah oui. J'espère que ça va t'aider. Si tu te tombes sur une grosse boule de neige, dis-le-moi. Eh bien, dis donc, tu as un talent fou. Amuse-toi bien en explorant Kiruberg. Qu'avez-vous là? Est-ce que sinon ce n'est pas possible? Et maintenant donc, ma boule de neige est encore là. Merci de m'avoir montré ça. Ça m'a réchauffé le cœur. Okay. Et parlant de réchauffer, tu ferais peut-être mieux de porter ça. Abonnez. Il y a des coins à l'air vraiment froid. Il ne faudrait pas que tu finisses en surgelé. Pourquoi est-ce que c'est froid? Je ferais mieux de rentrer. Allez, le truc. Maintenant qu'on a accès à la corde. Ouais.
Hey, tu as réussi. Bienvenue à Kirberg. J'ai vu que tu as remarqué, ça n'a rien à voir avec mes... Stratham. Lorsque tu veux explorer tous les recoins de Kirberg, habite-toi chaudement parce que le vent ne te fera pas de cadeau. Ah, et aussi, n'oublie pas de caresser ces mecs. Une quête là. Nous sommes à la guilde des défilés. Okay. Alors. Un petit ballon s'est perdu. Ok, attends. Lune, animal en ballon, bonhomme de neige. Alors, déjà, bonhomme de neige. Bonhomme de neige, il est là. Attends, qu'est-ce qui s'est passé là? En bonhomme de neige, il a perdu la tête et son torse, le pauvre. Où est-ce qu'ils sont passés? On veut débattre la tête et le torse. Déjà, on a déjà la lune. Ah, et c'est vraiment que c'est la nocturne. On a bonne neige. Une sculpture saisonnière. Il faut quoi après? Alors, le mur de lumière. Ça, c'est bon. Animal en ballon. Oh! Comment se retrouve la besaille? Oula. Ouais, grand Esgord. La situation est grave. La Vipa est aperçue dans plusieurs régions. On essaie de le localiser. Mais il nous faut plus d'informations. Mais c'est pas du but. Hop. Regarde-moi, je suis tout doux. J'adore mes poils. Je trouve ça que ça fait trop mignon. Et j'adore tout ce qui est tout doux. Ok. Ah, quelle émotion! Encore une découverte scientifique. Regarde ça. Je viens de découvrir des peintures représentant les anciens. On dirait que ça raconte une histoire du passé à propos d'une aventure. J'ai hâte de découvrir d'autres trucs. Quelqu'un, s'il vous plaît, par ici. Au secours! Oh pardon, à force de crier, j'ai du mal à m'arrêter. Tu pourrais m'aider? Il y a un gros coup de vent et je me suis envolé. Maintenant, je ne sais pas où je suis coincé, j'ai peur. Aide-moi s'il te plaît, il y a trop de vent, je ne sais pas où j'ai. Et tu m'as libéré. Merci. C'est mon anniversaire à ma famille de s'inquiéter. Ah, tu l'as déjà rencontré? Ma mère s'inquiète forcément et fric quand on se dépêche. Emmène-moi jusqu'à eux. Ils m'ont pas vu depuis une éternité. Des peintures rupestres. Toi, tu viens après. Moi, je suis perdu.
Tu as trouvé mon fils? Mon garçon, tu t'es mort d'inquiétude. Pourquoi tu m'as pas attrapé comme je te l'avais dit? Ne parlons plus de ça. Je suis sûr qu'on t'en voir. Alors, peinture, alors attends. Reste avec nous et tuons l'anniversaire de mon fils comme il se doit. Tu l'as trouvé, tu l'as sauvé. Joyeux anniversaire. Animal en ballon, c'est lui? Je crois que c'est lui l'animal en ballon. Hop, nickel, on peut retourner directement au machin. Pas d'où il est l'autre là. Peut-être lui. Et c'est le compagnon idéal. Ah bien joué. Tu as réussi le défi. Nickel. Alors mur de lumière par contre. Mur de lumière. Le guide des feuilles. C'est un défi mystérieux. On apprend de nouvelles choses sur la civilisation disparue des anciens. Il y a des morceaux de bonhomme de neige à Kyberg, il faut les trouver. Ok. Ça va et toi frère? Bien dormi? Alors, en voyageant loin, en découvrant de nouveaux lieux, on est parti à l'aventure pour explorer les pics. C'est tout ce que j'arrive à comprendre. On dirait qu'il manque des bouts de l'histoire. Il va y avoir d'autres fragments à trouver. Bah celui-là déjà. Hop, c'est là, je l'ai déjà vu. Ok. Ok, donc il m'en reste encore je sais pas combien. Hop, attends. Ah là, il y a encore des peintures rupestres. Ok. Il m'en faut plusieurs. Alors toi, je vais voir après. Attends, je reviens en arrière. Hop. C'est quoi ça? Une nouvelle peinture d'anciens? Tu veux entendre l'histoire du passé? En voyageant loin, en découvrant de nouveaux lieux, on est parti à l'aventure pour explorer les pics. On a atteint le sommet. Et on a vu, c'est tout ce que j'arrive à comprendre. Bâtard. Ok. Il faut trouver d'autres peintures, quoi. Attends. Peut-être que les peintures sont... J'en ai vu une là-bas. Oh, c'est quoi ici? La cheminée.
attends, mur de lumière. Peut-être qu'il y a un mur de lumière, c'est ça. Le mur de lumière. Regarde la photo. Une ours. Alors. Je sais plus où je suis là. Je sais plus où je suis là. Alors. On voit que dalle ici. Hein. Il y a vraiment beaucoup de neige. Voilà, c'est bon, je suis parti. Alors, il faut trouver les restes des peintures. Donc là c'est bon, hein. Ah, que je tout doux. Il y avait des ballons. Je sais pas. Ok. Donc donc on a une là. Une deux. Une deux. Rapport avec le défi là-dessus. J'ai rien besoin de me faire. Eh ben non, j'ai rien du tout. J'ai rien du tout. J'ai rien de rien. Oh, il y a un cadeau que j'avais pas vu là. Une casque d'astronaute. Non, merci. Par contre, il faut que je trouve les autres machins. Les autres peintures. Je crois que j'ai pas tout visité, hein. Il y a tellement de choses. Oh, nounours. Non. Non, 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 je vous montre pas les photos.
Donc là, il y a une peinture. C'est beaucoup mieux. Dans mon enthousiasme, j'ai oublié de prendre des vêtements chauds. Mais je suis de retour avec des données d'excellente qualité. J'ai l'impression que tu ne me sens pas où que je suis. Je suis l'un des meilleurs chercheurs du monde en matière de cosmologie. Et ce moment, j'étudie des blocs bizarres qui sont apparus dans notre monde comme ça tout à coup. Ils étaient une énergie étrange qui a l'air d'être connectée au cosmos. Je les ai baptisés les blocs cosmiques. Je suis sur le point de canaliser leur énergie, mais je dois continuer mes recherches. Il nous faut juste quelques phénomènes cosmologiques de plus. Moi j'ai une nouvelle quête. Ah, là, il y en a une. J'ai vu. Hop. Je crois qu'il m'en reste un dernier. Pas été ici. J'ai déjà été. Bon, on a une autre note peinture. Là-bas. Là. Putain, c'est bien caché, les bâtards, ils le cachent bien. Je pense que j'ai tout. Je pense que j'ai tout. Oui, oui. On s'en fout de ça. Partir directement. Cela j'ai déjà vu. C'est quoi ça? Okay. Tu vois, toi, ça. En avant du feu, en passant des moments ensemble, en voyageant loin, en découvrant de nouveaux lieux, on est parti à l'aventure pour explorer les pics. On a atteint le sommet et on a vu. Ok. Ok, donc il me manque un seul truc. Un seul... même deux même. Deux machins. Ça c'est là-haut, on n'a rien à voir là-haut. Voilà, c'est pas facile. Alors attends, on a quoi d'autre? Il nous reste deux tampons à faire. Recherche cosmologique. Soupçon de l'année. La première rassemble des informations qui suivent la nouvelle. Le mur de lumière. Alors un mur de lumière, ça. Par contre, c'est mystérieux. C'est un genre de lumière, je sais pas du tout. Pif.
Alors là. La tête et le torse. Donc il faut aussi chercher. Tu as réussi, bienvenue. Ah, ok. La tête et le torse. Ah, peut-être ça. Je crois que c'est bon, c'est fait. La tête et le torse, je crois que c'est bon. C'est le bus. Il faut monter. Oh, c'est chiant. Ok. Peut-être le mur de lumière. Alors, peut-être. C'est peut-être le ça. Ok, j'ai ce défi. Ça. Ah, je veux rentrer là-dedans, surtout pas. Non, je veux rentrer là. Ah. Ouais, j'ai un petit souci. Je sais que j'ai pas tout tout exploré, ça c'est sûr. Donc, ça c'est bon. De une là. De là. Ça descend. Okay. En derrière. Donc les deux là, c'est sûr, ça c'est déjà. Hop, on descend là. Je suis venu ici. Ah, la galère. La galère. Peut-être que j'ai louper une peinture. Alors sur certains essais j'ai loupé des trucs. C'est pas ici.
exprès ici. Et ben c'est non, c'est pas ici. Donc, recommençons. Alors là-bas, j'ai peut-être pas été en haut, tout en haut. Ouais. Peut-être que j'y étais, je ne sais pas. Alors, il y a un cadeau, on en a déjà pris. Ça, j'ai pas vu. Alors, ça, j'ai pas vu. Ok. Donc ça c'est bon. Alors là il y a une sorte de phare. Est-ce que j'étais ici? Non, ici j'ai pas été. 4 fois 3 plus 3 égale 5 plus 3, 4 fois 4 égale 8, 4 fois égale 2. Ce qui veut dire que la distance qui nous sépare du Soleil est de 148,71 millions de kilomètres. Ça y est, j'ai réussi. On a fait la preuve scientifique que le Soleil est quand même vachement loin. J'ai hâte de vous publier ça dans un livre de science. Ah, tu m'as fait peur, je ne t'ai même pas rendu compte que tu étais là. Je suis présent, je suis la prestigieuse et populaire. Je suis astronaute, donc j'étudie les étoiles et d'autres trucs super cool. Là, j'observe ces constellations avec le télescope. Je peux voir des trucs qui sont super loin. Vas-y, essaie à coup si tu veux. Mur de lumière. Bah, c'est ça qu'il faut faire. Ok. Je ne peux pas discuter, je suis débordé. Les découvertes astronomiques ne vont pas découvrir tout seul. Bizarre. Ok, donc ça c'est fait. Ça c'est fait aussi. Petit chien. On va pas être là. Ok. On va redescendre. Non, on va remonter. Boule de poil. Ok, c'était ça que vous voulez, le Yeti peut-être. Du truc tout doux. Des boules de poils. Des boules de poils. Des boules de poils. Ok, c'est parti. Go. Peut-être que Yeti voulait une boule de poils. Peut-être ça le truc qu'il voulait dire. Où est ma boule de poil? Oh. C'est trop mignon. C'est pile la bonne qualité de poil. Ça a l'air si sérieux. Okay. Il se faut absolument un de ces bidules tout doux. Ok, donc ensuite, lui. C'est quoi ça? Un nouvel épisode dans ça, ok. On avait du feu, on passait de bons moments ensemble, on voyageait loin, on découvrait de nouveaux lieux. On est porté à l'aventure, on a trouvé les pics, on a excédé la montagne. C'était dangereux. On a tenté le sommet, et on a vu, il me manque un truc. Il me manque une peinture. Ensuite, tac tac tac, au niveau des photos on est cool, on a le mur de lumière. Non, je vais pas aller là, je vais aller ici. Et ben, je pense que... Alors je regarde quand même, mais ici on a déjà fait tous les défis. J'ai arrêté tous les défis, ok.
Mur de lumière, mur de lumière, mur de lumière. Ouais. Non, pas en terre. C'est pas grave. Faut juste que je trouve la bonne photographe. Et après, ce sera bon. Là, là. Le arrêt de... What? L'heure de lumière. C'est pas elle? Mur de lumière. Ah, c'est bon? Fâché, meuf. Peinture des anciens, assemblement de bonhommes. Alors, il faut juste que je trouve la dernière. Faut que je trouve. On va commencer par là. Il me manque un seul. Il me manque un seul. Donc, déjà, ça c'est fait. Là, c'est fait, c'est fait. Il n'y a rien. On a fait. Ensuite. Et si je retourne par là-bas? À l'arrière. En arrière. Mais non, je peux pas monter! Ok. Ok. Alors, est-ce que là, il n'y a rien? Là, il n'y a rien. Et là, il n'y a rien. Là y a rien, là y a rien. Sur quoi je fais? Est-ce que je l'ai déjà fait? Celui-là l'a déjà fait. Ok, donc celui-là l'a déjà fait. Y'a pas de soucis. On va juste monter là. Le mur de lumière. Donc ça on a fait, ça on a fait. Ensuite. Ça, on a pris en photo, je me rappelle plus. Oui, ça, on a pris en photo. Donc, ça, c'est bon. Ensuite. Je vais te cacher quelque part, mais où? La dernière. Alors là. Là, il n'y a rien ici. Et là, il y a rien ici. Donc là, il n'y a rien. Ensuite. Par là. Ici, on a deux ici. Alors, ici. Est-ce que celui-là, on l'a fait? Tu l'as déjà vu celui-là? Ok, tu l'as déjà vu. Tu l'as déjà vu aussi.
Ok. Donc là, il y a du truc qu'on a déjà fait. Ici, là, on a fait. On va monter, hein. On va monter. Faire tous les trucs à part, hein. Il me manque un seul truc. Il me manque un seul. Celui-là, on a déjà fait. Celui-là, on l'a déjà fait aussi, je me rappelle. Et what? On a fait le tour, là. C'est pas possible. On a fait le tour. On a fait le tour. Ah, attends. On a déjà fait ça. On va refaire tout. On va se refaire tout. Alors. Celui-là l'a déjà fait. Déjà vu. 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 Il m'en manque un, bordel de merde. Peut-être que est-ce qu'il en haute. Bon. Là c'est mort, y a pas. Parce que j'ai pas regardé dans les maisons. Donc, dans les maisons, j'ai pas regardé. C'est presque. Il y avait quelque chose. J'ai pas tout. On va trouver. Il va où? Voilà. Il n'est pas là. Donc la tête et le torse. Oh nounours. Ça suffit nounours. Ça suffit. Bon, toi j'ai déjà ton truc. Où est-ce qu'il est? Chut.
Oui. Il voulait juste faire une pause. Je me demande si. Bon. Je ne sais plus, je ne sais pas. Ouvre grand tes espoirs. Voilà, je regarde sur internet pour voir, mais il y a un truc. Hop, tac, tac. Où se trouve hop, y a pas. Tac. Alors c'est un couvain, hein. Full game twin. Hop. Alors je répète que le jeu est dur. 2h20 quasiment. Et de la pub. Bien évidemment. Je crois qu'on finit le jeu, après on va s'arrêter là les amis. Et demain on fera un nouveau jeu. Parce que demain c'est vendredi. Bon, on sera plus tard. Demain. Allez, plus vite. Plus vite. Ok. Puis il en a 6. Now use the horn to break the ice block in front of you, and then enter the next location. Ouais, and the next location should unlock the trophy all geared up. If not, try to equip all the items again in your inventory. Ça on l'a déjà fait. So climb up the rope. Ensuite. Ça on l'a déjà fait aussi. Juste trouver les sort les 3 les 5 ah y a de pub les 5 écritures là, les 5 textes, même la pub elle bug.
Allez, il a la plus belle vague. So now take a photo of this snowman's torso. Just in case, take another one from the front. Ok. Donc là, ils font photo le bonhomme de neige. Très bien. Now go all the way back where we talked with the sign. Now talk with the sign to complete the quest, and at the end, take a photo of the goats. Donc là, il y a un spectacle. Je pense que j'ai passé celui-là. Ok. Tac. Let's go. Je crois qu'il faut aller directement par là. Alors, j'ai plus. Je ne sais plus où c'est. Écoutez la sèvre chorale et des chevaliers de Kiburg. Où sont passées les chèvres? Ah, d'accord. Je sais où ils sont. Directement aller. Alors je crois qu'elle est où se trouve le truc là. Pas ici, c'est quelque part dans l'astro dans il y a le phare. Je sais plus où c'est. Je crois que le mode de lumière c'est ça, à tous les coups. Le petit chien poilu. Le petit chien poilu. Je crois que c'est bon. Regarde ces lumières, waouh, bien joué. Tu as réussi le défi. Bah nickel, ça qui me manque. Exactement, aller au car, on aura fini le jeu. On l'aura pas fait à 100%, mais on aura quand même fini. Par contre, je sais plus où est le car. Mais non. Oh.
plus là. D'accord. Descends. C'est hallucinant. Salut toi, bienvenue à pour les aventures de rêve. Il y a tout un tas de trucs. Oui. Salut. Il y a 3 pièces de carte, tu peux prendre le cas jusqu'à la région suivante, c'est gratuit. Et bah c'est pas la fin du jeu. Sommet de la montagne, pic de Kiruberg, et bah c'est là la fin du jeu. C'est pour finir le jeu aujourd'hui. Wow. C'est la suite. I, qu'est-ce que c'est? Oh, dépêche-toi, hein. Attends, je cherchais à boire, les amis, je reviens tout de suite. Hop. Allez, 6 prix du but. Alors qu'est-ce qu'on a à faire? Oui, oui, ça a été bloqué là. On a pris la photo et c'était magique directement, c'était magique. On a pris la dernière photo du jeu. Thank you.
peu plus ce qui m'a attendu en plus. Prenez le cas. Te revoilà enfin. J'ai l'impression d'attendre depuis des heures. Vas-y, monte, je te ramène chez toi. Maintenant ? Oui. Toem, une aventure photographique. Et voilà les amis, on a fini le jeu. Et encore un jeu en plus à finir, et oui. Créé par Something We Made, comme je vous ai dit par rapport à, aux infos du jeu, à chaque fois. Le Something We Made, il y avait Niklas, Lucas, Tom. Design audio par Ruchaling. Alors, on a fini le jeu, c'était pas prévu, mais on a quand même fini le jeu. Voilà, je vous ai dit que le jeu a duré 2 heures. Hein. En ligne droite, je dis bien. Alors, Rumslag, il y avait Victor, Eidhagen et Marcus Nilsson. Compositeur, Jamal et Lochable. Donc, très belle musique. Moi, j'ai envie de la musique parce que j'aime pas trop mettre de musique dans le jeu. Remerciements spéciaux, Elias, Indiana, Big Foreyad, Robin, Max, Max, Joël, Michel, Hans, Olivier, Linus, Mathias, Rive, Sarah, Anton, Jenna, Amahara, Cornelia, Ozar, Famille Jen, Meg, Mum, mais alors c'est, je crois que c'est tous les personnages du jeu, je crois. Tous les personnages. Alors déjà si j'écorche un peu les prénoms. Donc voilà. Donc on a fini le jeu en deux sessions. C'était cool. Après, le côté énigmatique, mystérieux, c'est cool aussi. Alors, le jeu qui fait son... Bien évidemment, qui fait son... Qui fait de lui un jeu. C'est... Il est en noir et blanc, en fait, le jeu. C'est pas tous les jeux qui sont en noir et blanc, en fait. C'est rare qu'il y ait des gens en noir et blanc. Je sais pas si vous connaissez des gens en noir et blanc, comme on a fait pour Chicorée, mais Chicorée, c'est aussi un bon jeu, où il fallait colorier à chaque fois la map. Mais là, franchement, regardez, la dernière photo, là, il y a une couleur. La photo en couleur, c'est l'une des seules scènes du jeu qui a la couleur dans le jeu à la fin du jeu. Et c'est magnifique. Magnifique. Franchement, magnifique. Aide de portage par Lundale Burl Games. Donc je sais pas ce qu'on va faire demain, puisque demain on est vendredi, on finira plus tôt, on commencera plus tard le live. Localisation par Kate Ward Studio. Super jeu. Si vous voulez le faire, et ben, il est gratuit avec l'abonnement. Vous payez l'abonnement, donc vous payez l'abonnement de Xbox. Après, vous pouvez jouer à tous les jeux que vous voulez, sauf que vous payez le jeu 17,99 de mémoire. Si vous voulez l'acheter seul, si vous voulez l'avoir, parce que quand il est sur Game Pass, après les jeux qui sont sur Game Pass, au fil du temps, ils disparaissent. Voilà. Donc vous voulez pas définir moins les jeux. Quoi. Toutes les photos que j'ai prises. Tous les photos. Alors je sais pas comment ils ont fait les développeurs à faire en sorte que quand j'ai pris des photos, et eh ben ils les mettent directement dans le générique. Alors, je sais pas comment ils ont fait. Je sais pas comment ils ont fait ça, mais chapeau. Hein. Chapeau. Turkish localisation by Warcraft Studio. Le H. H. Donc c'était cool, super jeu à faire en solo. Donc voilà, parce que moi je suis plutôt jeu solo, je suis pas plutôt jeu multi. Ah, c'est... Quand j'ai fait Chivalry 2, j'aimais bien. Je préfère jouer en multi mais tout seul. C'est-à-dire pas avec des personnes que je connais et tout ça. Je préfère jouer de mon côté en jeu multijoueur. Sinon je suis plus jeu solo. Enfin, comme vous l'avez remarqué, la plupart de mes vidéos YouTube, ils sont en solo. Après il y avait du Warhammer, du Chivalry 2 et tout ça, mais pas... À part les deux jeux là, eh bien, la plupart du temps c'est du solo quoi en fait. Merci d'avoir joué, c'était cool. Donc je vous dirai pas ce qu'on va faire demain, c'est la surprise. Parce que je sais pas si je vais le faire en session, en série, en découverte, je sais plus du tout. Mais attends, j'ai toujours la fin du jeu, j'ai toujours la fin.
Tu vois, voilà. Je sentais que tu n'es pas tardé à rentrer. Alors, c'était quoi, bon? Je bosse. Je crois que tu aies passé un bon moment. Je veux connaître tous les détails de son aventure. Mais avant ça, montre-moi ta photo de toi-même. Oh, regardez ça. C'est vraiment extraordinaire. Donc le jeu, c'est toi-même, quoi, dont la... le titre du jeu. Il est beau. Hein. C'est le seul truc qu'on aurait en couleur. Tu sais, c'est quand même un sacré beau exploit de ce que tu as fait. Et voilà, nickel. 3 sur 3. Je suis très très fier de toi. Fin. Créé par Sumetagui Mod. Rumson. Il y a encore des trucs encore. Ça sauvegarde. Et ben nickel, on a fini le jeu les amis. On n'a pas fait à 100%, on a quand même fini le jeu. Je suis content. Donc voilà, donc c'était cool. C'était Toem le jeu. Donc une aventure photographique. Si vous aimez la photographie, tout ça, ben, je pense que vous aimerez ce jeu. On va quitter le jeu, on va le désinstaller. Donc c'est cool. Alors les amis, je vous répète le jeu tranquillement. Les infos de ce jeu Toem et lui qui est super bien. Info, alors ça a été développé par Sumetic Wimet, comme vous l'avez vu dans le générique de fin et dans le générique de fin directement. Plateforme, vous pouvez trouver sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox One et Linux. Ça a été sorti le 17 septembre 2021, publié par Sumetic Wimet, et bien évidemment, pour un prix exorbitant de 17,99€. Si vous n'avez pas l'abonnement, vous payez le jeu comme ça, 17,99€, voilà, tous les bénéfices. Merci beaucoup d'avoir été invité, c'était super cool. Un jeu en deux sessions, vous pourrez trouver la première deux sessions après le live directement. Et en rediffusion, je mettrai sur YouTube en quelques jours. Il y a encore pas mal de VOD à mettre sur YouTube d'ici là. Merci d'avoir été là. Merci à tous. Passez une très bonne soirée et on se dit à demain vendredi pour de nouvelles aventures. Tchuss tout le monde. Merci d'avoir été là. Tchuss. Le jeu comme ça, c'était 89, voilà, tous les bénéfices. Merci beaucoup d'avoir été invité, c'était super cool. Un jeu en deux sessions, vous pourrez trouver la première deux sessions.